voudrais rendre hommage à tous les députés qui, nuit et jour, dans l'hémicycle, se battent pour que le gouvernement, pour que la majorité assume les conséquences de leurs actes. Car c'est ça qui est en jeu. Cette bataille ne se gagnera pas dans l'hémicycle. Cette bataille, elle se gagnera dans l'opinion, elle se gagnera dans la rue. C'est le peuple qui décidera de l'issue de ce débat. Pas les parlementaires, parce que le fait majoritaire à l'Assemblée, il s'impose. Quel est notre travail? Quel est notre objectif? Montrer les conséquences de ce projet de loi que la majorité et le gouvernement n'assument pas. Elles n'assument pas parce qu'il y a deux sous-populations chez eux. Il y a ceux qui ont des doutes, mais qui veulent absolument se convaincre qu'ils pourront se prémunir des risques que présente ce projet de loi, et puis les cyniques qui savent très bien où ça mène et qui mentent tous les jours. Notre travail, c'est de faire ressortir les conséquences inéluctables de ce projet de loi, c'est-à-dire les conséquences sur la filiation. Ce projet n'est pas un projet sur l'amour, ce projet n'est pas un projet sur l'homosexualité, ce projet est un projet sur la qui concerne la filiation, avec toutes les conséquences que le désordre mis dans la filiation peut provoquer dans la société. Quand même, il est extraordinaire de voir la gauche aujourd'hui, quand on sait ce que ce mot a pu représenter dans l'histoire des luttes sociales, dans l'histoire des luttes pour la justice, la gauche aujourd'hui défendre un projet de société qui conduit à instaurer une relation de client à fournisseur dans la procréation, qui conduit à la marchandisation des corps, qui conduit à ouvrir la porte à toutes les manipulations génétiques, à une société qui sera une simple société de jouissance, où l'enfant lui-même ne devient plus qu'un objet de jouissance, où l'on efface, où l'on occulte.